voyage dans un endroit secret. Des indices ont été dissimulés dans votre bureau et dans le quartier. J'aurais pu, oui, laisser ce message directement à tout le commissariat et à la police, mais il était important que ce soit vous qui l'écoutiez en premier. Parce que comme vous le savez, il y a un adage qui dit « Le linge sale se lave en famille. Simone et vous, vous êtes comme une famille. C'est donc vous et seulement vous qui pourrez la retrouver. Si je vois un autre policier que vous, je la tue. Bonne chance. » Là, pas tout ça. Ya, finance publique. Ça, ça pique ça. Connu pour son excellence. Et c'est l'indice. C'est de l'indice là que ça parlait. Ah. Je savais pas que ça allait être aussi simple que ça. Hein. Attends, je vais essayer de le téléphoner. Que j'appelle. Connu pour son excellent travail, votre silence peut être dangereux pour vous. Maître Monclo-Clo, grand génie, sorcier au père. Ça marche pas en plus. Couillon Romza, ça m'énerve cette affaire. Un capitaine de police, je n'ai pas de véhicule. Et je vais faire des enquêtes en montant dans le métro. Alors que les autres collègues de la police, ils ont leur voiture. Ils viennent dans le métro, ils font des enquêtes dans le métro, ils prennent les malfaiteurs et puis ils sortent. Non, mais comment je vais mener mon enquête? Hein? Non, je ne vais pas aller dans le métro. Je vais aller sur les Champs-Élysées. Je vais aller demander de l'aide aux contribuables. Et ça, je crois que ça va être possible. Simone, j'arrive. Quel que soit là où tu es, je viendrai te chercher. J'ai déjà les indices. Plus que la voiture et tout est réglé. Je réquisitionne votre véhicule, hein. Je suis de la police, j'ai besoin de retrouver Simone. Et nous, les policiers africains, on adore les véhicules nickel. C'est mon problème, ça. Actuellement, je me sens comme Will Smith dans Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy. Oui, si je te connais for me. Mais c'est déjà ça le premier problème, monsieur. C'est que vous y connaissez rien en cinéma. Hein? Vous y connaissez rien en cinéma. Et toi, tu connais quoi en cinéma? Hein? Mais l'inspecteur Harry, Starsky Hutch, ça, c'était des flics qui savaient se faire respecter. Pas tes Will Smith, Bad Boy, là, de quoi tu me parles? Attends, tu veux dire que Will Smith, il se faisait pas mais respecter? Mais je dis pas ça, monsieur. Je dis juste que vous avez pas les codes. C'est quoi le code? Hein? Déjà, on arrive. Bonjour, monsieur, police nationale, je réquisitionne votre véhicule. On se présente avant, sinon vous êtes juste un voleur. Non, mais je peux pas être un voleur. Je suis de la police. Si je vole votre véhicule, ça m'a... Je comprends rien, là, monsieur. Écoutez. Monsieur, sortez. Je vous explique. Je suis policier. Si je vole votre véhicule, non, qui non, va non, le mais rechercher? Là, c'est pas bon. Un policier ne vole pas. On fait pas comme ça, monsieur. On y va. Bon, écoutez, vous m'avez l'air très compliqué. Et vous savez quoi? Je vais vous laisser avec votre tas de ferraille. Ouais, c'est très bien, très bien comme ça. En plus, c'est même pas propre. Celle que vous voulez véhiculer. Ben, c'est pour ça que je le détruis. La prochaine fois. Oh, là, on fait pas ça. Je vous défonce la gueule. Hein? Parfait. Allez, bonne journée, monsieur l'agent. Sa voiture n'est même pas belle, c'est une vilaine voiture. Hey. Police, je réquisitionne votre véhicule. J'ai réquisitionné votre véhicule, monsieur. C'est la police. Tu sautes sur mon pare-brise normal, toi. J'espère que t'as même pas niqué ma carrosserie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton pare-brise? C'est la police. Mais j'en ai rien à foutre de la police. Tu crois qu'on a peur de la police ou quoi ici? Baisse d'un ton. Mais baisse d'un ton quoi? Aïe quoi? Je me suis dit que... Je me suis dit quoi? Écoutez, monsieur, je suis désolé. Je suis dans une désolence qu'on ne peut pas expliquer. Regarde, là, on est en train de tourner une série. Voilà l'équipe technique, tout ça. Voilà, les gars, moi, je peux pas tourner avec un mec comme ça. Il peut même pas garder son rôle. Je peux pas, les gars. Il est pas sérieux. Mais il voulait me démarrer. Il voulait me démarrer. Il est pas sérieux, les gars. Caméraman, tu as témoin. Il voulait me démarrer. Tu voulais me démarrer. Oh, j'arrive même pas à réquisitionner un véhicule. Comment je vais faire pour libérer Simone? Je commence à être désespéré.
police! Sors de la voiture! Je réquisitionne votre véhicule. Je réquisitionne. Allez, dégagez! Sortez! Ça va. Sortez! Ça va, c'est pas la peine. Mais de... vous êtes suspect. Pourquoi vous obéissez vite, vite comme ça? Tenez, je vais vous fouiller. C'est bon, y a pas de problème, ça va. Allez, dégage! Pas de maladresse, hein? Ouais. Tu bouges, tu meurs. Tu as compris? Ok, ok. Ok. Mais viens. Pourquoi il y a des pédales? Parce que c'est une voiture. Et tu crois que parce que je pense que c'est un vélo? Hein? Ils sont où les clés? Les clés sont où? Juste là, sur le contact. Ah, ici? Ouais. Mais ça démarre pas là. Allez, viens, 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 viens conduire. Viens conduire. Allez, conduis. On y va, on y va, on y va, on y va. Sors, sors. Démarre la voiture là. Allez, on y va. Allez. Sors, allez, allez. Doucement, respecte la poulet là. C'est quoi ces manières là? Il m'a mis où là même ce ténergumène là. Ouf. Maintenant, il faut que je trouve destin. Écoutez monsieur, excusez-moi du dérangement, je cherche destin. Non, j'ai pas d'argent, désolé. J'ai dit je cherche destin, je n'ai pas dit je veux de l'argent. J'ai pas d'argent. Tu es bête, hein? Je cherche destin. J'ai pas... Oh, purée de pommes de terre. Yeah. J'ai trouvé l'indice. Oh. Ouf. Enfin. Ça, je suis sur une très bonne voie, ça. Oh. Qui c'est encore? Hey, le directeur. Le commissaire de... Allô, monsieur le commissaire de police. Allô, capitaine. Venez immédiatement dans mon bureau, capitaine. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Dépêchez-vous. Quoi? Capitaine, ne posez pas de questions. Venez. Ah, mais c'est-à-dire que... je suis un peu embêté, monsieur le directeur. À tout de suite. Ah,